Puis récemment, avec 15 personnes, j'ai dit hey, j'ai une idée de 100 génies à vous proposer. On va aller faire une étude au en apothésie. Il ne savait pas trop si c'était trop loufoque pour être réalisable ou si c'était réalisable, mais il m'a lancé l'idée comme ça. Moi, tout de suite, spontanément, je lui ai dit Crime, si tu as besoin de cobayes ou si tu veux avoir des coéquipiers avec toi, j'embarque n'importe quand. Ça reste comme ça. Puis moi, je m'attendais à en réentendre parler un an plus tard. Mais non, à peine quelques mois après, il m'a dit « Sylvie, le projet dont je t'ai parlé il y a quelque temps, est-ce que ça t'intéresse toujours? » J'ai dit « Oui ». Puis il dit « OK, ça fonctionne. » Est-ce que vous grimpez des montagnes, tout le monde est capable de faire ça. Projet scientifique, peut-être pas tout le monde est capable de faire ça. Mais les deux ensemble, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça. J'ai une équipe extraordinaire. J'ai des gens dans tous les domaines. Mais j'ai des gens qui ont une seule passion en commun, puis c'est le défi, c'est le sommet, c'est la montagne, c'est le dépassement. C'est toutes des qualités qui font qu'ils ont une synergie extraordinaire dans le groupe. J'ai des gens en nutrition, j'ai des physiologistes d'exercice, j'ai des médecins, des cardiologues. Puis c'est toutes des tripeux, puis c'est ça qui fait que la synergie du groupe en apothésie 2006 qui est si extraordinaire. L'étude avait trois objectifs. Le premier objectif, c'est de comprendre pourquoi notre capacité physique est diminuée lorsqu'on est exposé en altitude. Deuxième, c'est essayer de démontrer des marqueurs qui pourraient nous indiquer si on va être malade en altitude ou pas. Et finalement, la troisième, c'est au niveau métabolique, on voulait savoir pourquoi on cesse de manger puis pourquoi on perd du poids lorsqu'on est exposé en altitude. C'est une opportunité d'explorer le phénomène d'altitude sur la fonction cardiovasculaire et métabolique. Beaucoup de concepts de physiologie de l'exercice à explorer en altitude, puis spécifiquement avec ce type de projet-là à différentes altitudes. Il y avait des questions extrêmement intéressantes à être répondues. Puis c'est certain que le petit côté nutritionniste en moi a été vraiment titillé parce que c'est un beau projet de voir comment justement l'altitude peut affecter ton apport énergétique ou la perte de poids. Donc c'était vraiment un sujet génial pour moi. La partie scientifique qui m'intéresse beaucoup dans ce projet-là, c'est vraiment le contrôle hormonal de l'appétit. L'aventure, connaître du nouveau monde, voir un peu qu'est-ce que c'était la montagne, puis connaître des gens, connaître de nouvelles perspectives. Le travail en échographie me semblait un défi intéressant, d'autant plus que j'aime beaucoup les appareils d'échographie portables. Dans des milieux un peu différents là, que les hôpitaux, ça m'attirait. Voir l'interréaction entre l'activité physique, l'activité scientifique, puis évidemment la résultante humaine de tout ça. C'était ça que je voulais voir. De faire quelque chose que ça fait 10 ans que j'étudie, de devenir un scientifique, alors c'est la recherche qui m'intéresse aussi. Puis c'est le fait qu'à un moment donné, je vais atteindre le sommet de la montagne, mon apothésie. Puis au sommet de cette montagne-là, je le sais que pendant au moins 10 secondes, je vais être assis à pas penser, à apprécier la beauté de la montagne. Pour monter une montagne de 6000 mètres, il faut se préparer. Il faut un entraînement adéquat et il faut aussi préparer nos gestes techniques qu'on va faire en haute altitude. Donc nous, par exemple, on s'est entraîné physiquement avant de partir, mais aussi on a monté un camp au relais, donc à 0 mètre d'altitude. Puis on a fait tous nos tests de base et on a pratiqué nos séquences qu'on allait faire en montagne pour être fin prêt, lorsqu'on arrivera en Bolivie, de faire nos tests et que tout fonctionne bien. Donc, ce qui était doublement intéressant, c'est qu'on était à la fois impliqués comme sujet et comme scientifique. J'ose pas bouger le coude, Patrick. 150 mètres. Ouais, non, c'est ça. On commençait nos mesures au niveau de la mer, à 0 mètre d'altitude.
Et puis, on refaisait les mêmes mesures de base qu'on avait faites au niveau de la mer en altitude. Ça ne donne à rien de prendre des mesures pour puis on doute des données. Okay. Ce qui se passe, c'est que on a des problèmes d'analyseurs. Et puis nos analyseurs ils nous donnent pas des bonnes données. Et puis le pire cauchemar qui peut arriver à un scientifique vient de nous arriver, c'est qu'on doute de nos données. Et, mais on est à 2 semaines de partir. Et puis ça, c'était un petit peu plus tannant. Toujours à la dernière minute, tout comme ça, avec la pression. Ça met un certain stress sur l'équipe et sur chef d'expédition, mettons. Et on va s'en sortir comme toujours. Ça, je suis persuadé. Nos problèmes d'analyseur de gaz nous ont obligés à faire nos tests de marche jusqu'à quelques heures avant le départ. Donc, on marchait dans les corridors de l'hôpital avec notre sac à dos, nos bottes d'escalade, et on terminait parfois très tard à la fin de nos journées de travail pour réussir à finaliser les tests. Mm-hmm. Comment je me sens? Je me sens nerveux, je me sens anxieux. Je ne sais pas si je vais bien dormir ce soir parce qu'encore une fois, à quelques heures de partir, j'ai plusieurs problèmes à régler. On n'a pas encore d'analyseur qui fonctionne. Puis ça me rend un peu nerveux. La force de notre projet, qui est aussi la faiblesse de notre projet, c'est qu'on a plusieurs sphères. On a 4 sphères dans notre projet. On a de l'exercice, on a de la sécurité, on a de l'échographie au repos, puis on a aussi du métabolisme. La faiblesse, c'est qu'avec 4 affaires, c'est probable, il y a plus de chances qu'il y en ait une des 4 qui plante. La force, c'est que s'il y en a une qui plante, bien, on est capable de se mettre de reposer sur les 3 autres pour avoir une étude intelligente avec ça. Arrive à La Paz directement à 3600 mètres. En fait, l'aéroport est plus haut, est à 4002, et on descend dans la cuvette de La Paz à 3600. Alors déjà, on ressent, dès qu'on arrive à l'aéroport de La Paz, un essoufflement important parce que la pression d'oxygène est beaucoup plus faible et elle est peut-être à l'aéroport à 4200, autour de 40% de ce qu'on a, en fait de 60% de ce qu'on a dans la ville de Québec. Passer un certain temps à différentes altitudes. Puisqu'on nous avions 14 personnes à tester, c'était difficile de les tester en même temps. Donc, j'ai dû les diviser dans le protocole en 3 groupes, le groupe A, B et C. Alors, le groupe A arrivait à une altitude précise, passait quelque temps, 3 jours, et puis après se déplaçait. Donc, il y avait beaucoup de rencontres entre le groupe A et le groupe B, puisque quand un arrivait, l'autre partait pour la prochaine altitude. Chaque groupe arrivé à l'aéroport était accueilli par le responsable logistique et arrivé à La Paz. 24 heures après leur arrivée, commençaient les premières mesures. 48 heures plus tard, on faisait le deuxième set de mesures. Lorsque les gens marchaient, avait un analyseur de gaz. Alors, c'est une machine qui nous permet d'évaluer comment nos muscles et comment notre cœur répond lorsque on fait un effort. Qu'est-ce qui se passe? On a de la misère à calibrer notre machine. On essaie du mieux qu'on peut de faire quelque chose avec la machine, mais là, je travaille fort, mais je ne dis pas que j'ai gagné. Ça installe les hauteurs. Pour un 4 heures de torture. Là.
Le changement de, au niveau de la mer, jusqu'ici à La Paz, environ 4000 mètres, ça n'a pas été trop difficile, sauf un petit mot de tête, un petit, petit mot d'estomac, pas plus. À l'arrivée à La Paz, j'ai eu mal à la tête puis mal au cœur pendant 24 heures, pas plus. Puis, les effets ont été assez marqués. La première des choses, je pense que j'ai pâli, j'ai blanchi. En plus que j'aille vomir entre le moment où j'ai passé mes douanes puis la récupération de mes bagages dans un petit coin à l'aéroport. Bienvenue à La Paz! Oui, c'est normal d'avoir des symptômes en altitude. En fait, on s'attend à avoir des maux de tête lorsqu'on monte rapidement. À être essoufflé, ça c'est certain. À avoir des troubles du sommeil ou des problèmes respiratoires pendant le sommeil ou de l'insomnie simplement. Les symptômes sont les mêmes, que ce soit le problème grave ou le problème léger et normal. Il s'agit d'une gradation et d'une progression dans ces symptômes-là qui vont nous dire si il faut traiter. Alors, la raison principale pourquoi on a divisé les groupes en trois, c'est pour être capable de faire énormément de tests en très peu de temps. On avait plusieurs tests qui fonctionnaient en même temps. C'était impossible de mesurer 14 individus en même temps, dans la même journée. Donc, c'est pour ça qu'ils sont arrivés de manière décalée à une journée, à 24 heures d'intervalle. Les maux de tête étaient de plus en plus intenses. Les nausées et les vomissements recommençaient. Et cette journée-là, elle est restée à la chambre tout le long avec des gros problèmes de vomissements. Elle va attendre refuge tout seul à partir de quand? Comme responsable médical, mon rôle essentiel était un peu de faire la coordination des problèmes médicaux qui survenaient puis des décisions médicales qui pouvaient survenir par rapport aux différents individus dans le groupe. J'ai vu Annie juste en fin d'après-midi quand les gens partaient pour la montagne. Moi, ce qu'elle filait vraiment pas, nauséeuse. De la photophobie, sonophobie, elle était plus capable de voir du monde. Ça fait que à ce moment-là, j'ai pris conscience un peu de la situation. Puis là, donc, Rémi, Michel, les deux responsables médicaux partaient en nous laissant un peu, moi et Sylvie, en nous expliquant, bon, en fait, on s'était donné un plan de match en se disant à telle heure, si ça ne s'améliore pas, on faisait telle chose. La deuxième étape, c'était 4750 au refuge et c'était une grosse différence, à peu près 1000 mètres. C'est un peu contre les règles, mais pour raisons logistiques, on a dû faire ça et on s'en est rendu compte très rapidement dans les premières heures en arrivant là-bas. Comment ça va? Un peu plus essoufflé qu'à La Paz. On essaie de voir si c'est une bonne combinaison quand même. Ouais, essayez ça, ouais. Vous mal à la tête un peu? Ça commence un petit peu? Semble essoufflé. On devient essoufflé, on a un peu mal à la tête, on se demande pourquoi. Alors, c'est parce qu'il y a moins d'oxygène. Alors, ce qu'on peut faire pour le vérifier, c'est utiliser ce qu'on appelle un saturomètre. 86-45. Il n'est pas la bonne combinaison. La normale de la saturation d'oxygène, de la quantité d'oxygène qu'il y a dans notre sang, la normale à Québec, disons 98, 99 et 100. Alors, c'est la normale. Alors ici, la normale, lorsqu'on arrive à La Paz et qu'on n'est pas du tout acclimaté, ben, on va être aux alentours de 85, 90 peut-être, et on ressent les effets de ça. 86, 95. Ah, c'est bien. C'est pas pire? Oui, des fois plus vite que moi. Tu vois, tu as la même saturation, puis ta fréquence cardiaque est même presque plus que deux fois plus rapide que la mienne. Bizarre, hein? J'ai enlevé la pile. Celle-là, comme... Jamais, c'est ça. Pendant 10 minutes.
Merci. Ça, c'était un beau début d'expédition. Là. On partait et on se perd tout de suite en partant. Là, ouais. La réception téléphonique était supposée être meilleure à côté du pylône. Il y avait à peu près 3, 4, 5 pylônes. Puis on a probablement choisi le mauvais. Puis on s'est retrouvé à travers des dalles, labyrinthe de roches volcaniques. Qu'est-ce que je fais ici encore? Tantôt, je vois toute la vallée au complet. Ah bon. Fait que j'ai pas de signal avec le téléphone qu'on s'est fait prêter. Ouais. Fait que si tu files pas bien, je pense que Michel, Yves pourraient rester ensemble, se diriger tranquillement vers le refuge. Pour finalement apercevoir la lumière du refuge qui était pas vraiment dans la bonne direction. En tout cas, le souvenir, c'était qu'il ne faut pas trop se fier à la technologie encore une fois. Là. Notre téléphone satellite nous avait fait défaut, puis l'autre téléphone marchait plus ou moins bien. Puis on était un peu retourné à nos propres moyens. Là. Puis, finalement, ça s'est bien terminé parce qu'on a pu communiquer avec la PAS. Un autre soin intensif. Je pense qu'il faut qu'elle soit rapatriée. Elle ne peut pas continuer avec une chose comme ça. Ça fait une semaine que ça niaise, c'est sûr. Dans mon esprit, c'est sûr que je reparte. OK. Tu sais, si ça allait si peu encore, malgré le traitement qui est décidé d'aller à l'urgence, je pense qu'il faut qu'elle soit rapatriée. OK, ça, c'est l'aspect médical. Je pense que la décision a été dure à prendre, pas du fait médicalement, mais vraiment du fait qu'on était tous impliqués émotivement puis qu'on savait ce que ça impliquait. Malheureusement, Michel, on n'a pas réussi à le rejoindre. En fait, il y avait un problème de téléphone satellite pour communiquer. Puis, je pense que ça a été quand même une grosse décision. Il faut penser pour l'étude maintenant. Commentaire? Bien, moi, le commentaire que j'ai, c'est qu'on a toujours su que tout le monde se rendait pas au sommet. OK. Sur 15, les chances sont faites. OK. Fait que tout le monde allait faire les exercices à 5000 mètres ou à 5500. Je pense pas qu'on a cru ça, là. Ouais. Fait que, il y a des choses... De prouver que c'est pas possible, déjà, c'est bon. Fait que tout le monde a prévu que quelqu'un irait mal. Oui, puis qu'il faudrait redescendre, peut-être quelqu'un... Peut-être pas aussi pas que la base, là. Peut-être pas à partir de la base, c'est quand même... OK. C'est déjà un gros choc, là. Combien de personnes qu'on laisse avec Annie pour s'occuper d'Annie? Est-ce que c'est pensable, selon vous, de faire monter, continuer l'étude telle qu'elle est, moins le personnel nécessaire pour prendre soin d'Annie? Et... Moi, je peux le faire. Je veux dire, c'est sûr que je tiens plus à Annie qu'à aller au sommet. Là. Bien, c'était un petit peu difficile parce que je voyais que ça me retardait par rapport à vous autres. Je faisais partie du groupe A. J'ai été quand même présent avec vous autres. Puis là, bien, je me trouvais séparé. Puis en me séparant juste pour cette période-là, je savais que c'était fini pour moi. Je savais que je n'appartenais plus à aucun groupe. Là. Mais la redescente à la PAS, parce que je savais que c'était pas une redescente d'adaptation. Là. C'était une descente d'urgence. Là. C'était une urgence. Il y avait une urgence. Il y avait un cas. Un beau cas. Ça va mieux? Il est sorti des soins intensifs. Je pensais qu'elle avait un événement cérébral. Fait que là, on va essayer de vous donner ces nouvelles-là et savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Thank you.
capable d'avoir une journée sans problème. Qu'est-ce qui arrive comme problème, hein, Martin? Là, il y a un chef d'expédition qui a collecté ça sur le 220, très momentanément. Et puis, on a piscina sur notre track max. On n'est plus capable de faire de nos tests à l'effort. Moi, j'ai utilisé l'ado à ça. Et c'est à Maniana pour l'autre appareil. Et c'est à Babouillan. Moi, il y a une désarmement. Après avoir sacré à plusieurs reprises après cette machine-là, il y a un électricien bolivien qui est apparu au-dessus de je sais pas où. Il est allé chercher son coffre d'outils avec son testeur. En fait, c'est le chauffeur de taxi. Hein? C'est le chauffeur de taxi qui vient chercher les gens qui sont ici et qui doit ramener l'appareil si jamais ça fonctionne. Si jamais ça fonctionne. Définitivement, quelle aventure! La clé qu'il est en train d'utiliser pour visser le bloc moteur sur le bidule, le chef, c'est une clé qu'on a trouvée par terre dans le coin d'une chambre au deuxième étage. C'est bien. C'est bien. Après une opération d'un chauffeur de taxi, on était capable de démonter le moteur, d'attenter une jambe de fuse après le contrôle électronique, puis on a notre contrôle qui fonctionne très bien jusqu'à présent. Fait que tu vas marcher, tu vas pédaler, moi, tu J'ai eu plusieurs aventures dans ma vie, mais celle-là, là, béni les dieux. Ok, je comprends ce que ça veut dire. C'est vrai, mais j'ai le nom de la web que je faisais. Finalement, on est prêt à commencer le test de fond. C'est que le danger de refaire une exacerbation de ces migraines en altitude était encore plus grand ici, naturellement. Donc, j'ai pas aimé, évidemment, là, parce que moi, la montagne, je la faisais. Peut-être pas le sommet, probablement pas le sommet, c'était pas un de mes objectifs, mais je voulais faire le camp de neige, je voulais faire le Campo Argentino. Donc, ça m'a un petit peu, disons que ça m'a un peu contrarié, là. Donc, j'aurais aimé beaucoup faire au moins monter au camp de neige, au moins voir ce que c'était le camp de neige. Donc, c'est des images que j'ai pas, que j'ai trouvé un petit peu dommage. Décevant de perdre un joueur, quand on est en montagne, je pense que ça fait partie de la game un peu. Mais là, il va falloir focusser sur... T'sais, c'est pas parce qu'on a perdu un joueur qu'il faut baisser les bras. Là. Je pense qu'il faut redoubler d'énergie, puis clencher ça. Puis le faire pour Annie, oui, parce qu'on s'ennuie d'elle, mais le faire pour nous autres aussi. Je pense que ça va être très important de rester bien focusé sur le but, puis le but de cette expédition. The test will start in 10 seconds. So get ready at the start now. Les tests de marche consistaient à marcher sur une surface plane pendant 20 minutes de temps avec différentes charges de travail sur le dos. Nous, on voulait évaluer, voir est-ce que plus on monte en altitude, plus notre système métabolique est taxé, plus notre capacité à faire l'exercice est taxée par une charge de travail qu'on transportait. On voulait répondre à une question très simple qui est-ce qu'on est mieux de transporter une charge de travail de 80 kg une seule fois ou la diviser en deux puis faire deux voyages? Alors, on a fait ces tests-là au niveau de la mer, à La Paz. On les a fait également au refuge et en haute altitude à 5275 mètres. C'est hallucinant. C'est cute. Hey! Comment ça va? Je suis contente de te revoir. Moi aussi. On se... Ah! Surprise! Wow! Ouais. Big surprise! Ça va bien? My teammate. Comment ça va? Ça va super bien. Cool! C'est passé, c'est fini. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas personne qui est allé dormir au Campo Argentino. Autre chose, les porteurs ne montent pas sur la neige parce qu'ils ne sont pas équipés. Okay. Lui, c'est un guide qui fait la montagne plein de fois. Puis ce qu'il a dit, lui, c'est que
il ne coucherait pas là-bas parce qu'il dit qu'il y a des risques d'avalanche. Il dit, là, il entend, il y a du son là, qu'il entend. Là. Tu sais, c'est ce qu'il racontait, là, le bruit. Là. Il dit que bien mal pris, il dit qu'il coucherait. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai demandé. J'ai dit, regarde, si toi, là, qui connais la montagne de fond en comble, est-ce que tu coucherais là? Il dit, bien mal pris, oui. Puis il y aurait de la place pour 3 tentes. C'est ça. Fait que moi, c'est ce que j'ai comme nouvelle ici. Je me suis fait apprendre par Eric, le responsable de la logistique, tout à l'heure, qu'on n'a plus accès au beau campement tout en neige que j'avais prévu, où est-ce qu'il y avait plein de place pour tout le monde pour séjourner. On va être pogné dans des roches. Ça va être un petit peu mieux pour les toilettes aussi. Là. On va être pogné dans des roches. Il y a toujours du positif. Puis ça va être peut-être un peu plus difficile au niveau de la logistique. Donc les gars vont monter très tôt le matin pour voir est-ce qu'on est capable d'établir un campement semi-intelligent. C'est-à-dire que est-ce qu'on va être obligé de pelleter pour installer notre dôme, ces choses-là. Et ça, j'en ai aucune idée dans quel état la neige est. Malgré qu'il nous est arrivé plein de bad luck, ça a du positif, le fait de coucher au camp de roche comme ça. C'est plus sécuritaire, puis c'est plus facile de s'adapter lorsqu'on va grimper quelques cent mètres dans la journée pour aller s'acclimater et on redescend coucher à une altitude inférieure. Ça nous permet de mieux récupérer et de mieux se préparer pour le sommet. Puis ça va augmenter énormément nos chances, cette bad luck-là qui vient de nous arriver de l'atteinte du sommet. Je suis pas capable de dormir. En fait, l'apnée du sommeil, souvent, c'est une réaction physiologique qui arrive où les gens, en fait, se mettent où leur rythme respiratoire devient à peu près nul, augmente un bout de temps leurs gaz qui sont mauvais dans l'organisme, puis après ça, se remettent à respirer. De l'orthopnée, je ne suis pas capable de dormir couché. Puis là, je me suis dit... Regarde, depuis le début, je pense que c'est ça. Là. J'ai un peu de paresthésie. Puis là, je respirais à 60 par minute. Fait que respire. Un peu nerveux. Là, je me disais, c'est dans ma tête, tu te recouches. Puis finalement, c'était mon partner, c'est Dude, Gaétan. J'ai dit, va donc chercher Michel, Gaétan, ça file pas. Mais je pense que c'est psychologique. Là. Non, c'est psychologique, là, mon affaire. Là. Moi, j'ai fait une crise d'hyperventilation. En fait, je pensais que ça arrivait juste chez les filles. Okay? Ça, c'est la première affaire. Moi, qui est un gars, oui, anxieux, mais pas plus que ça. Un peu hypochondriaque, mais qui est capable de voir le pour et le contre. C'est que là, je dormais. Puis là, d'un coup, je me réveille 1h du matin. Puis là, je me sens essoufflé. C'est la première fois que j'étais à 4800 mètres. Les gens ont été bien surpris parce qu'il n'y a personne qui pensait que... c'était possible de saturer à 98. Je suis encore en train de faire des recherches là-dessus. Là, mais... Puis là, c'était d'avoir la réaction de Gaétan qui me dit « Pat! » Lui, il saturait à 75, je pense, ce soir-là. Puis là, il me dit « Pat, arrête de respirer. Si tu me voles mon oxygène. » C'est le départ. On se sent bien au départ, oui? Oui. On va dire, je te dirai ça tantôt dans 15 minutes. Là, dans une heure, on va dire si je me sens bien. Excellent. Pour le moment, le moral est bon. On peut attendre jusqu'à midi. On est prêts? Oui, on est prêts. Et voilà, une autre étape. Nous venons d'atteindre l'altitude du Mont Blanc, 4800 mètres. Il fait beau et on est bien. C'est une belle, très belle montée. On est un petit peu essoufflé, mais on ne peut pas vraiment se plaindre si on garde les porteurs tout à côté de nous autres. Qui sont au nombre de 21 et qui transportent près de 2 tonnes et demie
ou à peu près de matériel. On a beaucoup de nos patients qui sont très essoufflés à ne rien faire, alors on ne peut pas se plaindre, nous, à monter, à se donner du trouble juste pour notre plaisir. Bon, fait que on vient d'arriver au sommet. Les gars, ils ont passé une bonne partie de la fin de soirée à installer le dôme, les deux tentes. Il y en a un dans l'équipe qui va moins bien. Je suis en train de couper une pilule de Viagra parce que Thierry fait un peu d'hypertension pulmonaire déjà à l'écho. Puis là, il sature pas très bien. Puis il est en altitude. Fait que c'est le moyen le plus rapide de diminuer la pression de l'artère pulmonaire. Fait que comme médication. On commence par là. On a le sac de Gamov dans la porte. On a de l'adalate, si on peut donner en plus. On va voir ce qui va arriver avec le Viagra. On va les économiser. Mais on en a masse. Il confirme qu'il n'aime pas les barbus. Donc, c'est sans risque. L'hypertension pulmonaire, on sait que le cœur génère une pression. À gauche, c'est la pression qu'on mesure normalement avec le brassard, c'est la pression du cœur gauche. On sait que c'est des valeurs autour de 120, 130 normalement, 120, 180. Le cœur droit pompe dans les poumons. On ne peut pas aller mettre un brassard dans le poumon pour mesurer la pression, mais par d'autres moyens, soit avec des cathéters ou soit, heureusement, avec l'échocardiogramme maintenant, on est capable de mesurer cette pression-là par différentes techniques, on ne va pas dans le détail, mais on est capable de mesurer cette pression-là. Alors, la pression à droite, normalement, ça ne dépasse pas 28-30 mm de mercure. Alors, à cause de l'altitude, cette pression-là monte. À cause de l'altitude et de ses effets sur le manque d'oxygène, cette pression-là monte. Elle monte toujours un petit peu, sauf qu'il y a des individus qui vont la monter de façon exagérée. On ne sait pas pourquoi. Puis on ne sait pas vraiment la conséquence non plus. Alors, ça fait de l'hypertension pulmonaire. Au même titre qu'on peut faire de l'hypertension artérielle, on peut faire de l'hypertension pulmonaire. Je dirais de façon apparente, il y a au moins 4 hommes ici. Alors, nous ne sommes pas tout à fait inquiets que Thierry prenne du Viagra. Et il n'a pas tout à fait la pêche non plus, comme on dit. Thierry, parle-nous donc de ton expérience à venir avec le Viagra. Ah, ça va venir. C'est pas arrivé. Est-ce que tu sens que ça vient? Je sens pas ça. En tout cas. Ça va aller mieux. Chez un patient dans soins intensifs, on aurait été très inquiet de voir une pression qui s'élève aussi rapidement que ça. The science is of course very important, especially when you're looking at chronic or acute changes in cardiovascular metabolic function at high altitude, but in studies involving humans is a lot more tedious because a lot of humans become sick at high altitude. And that was something that we talked about one evening at one of the camps, and it brought up quite a heated debate on whether or not we should continue to the next level, because a lot of people were getting sick, and there's fear, there's anxiety involved as well. So we had to really work that out before we moved up to the next level, which was at 5,300 meters. J'ai eu une discussion juste après qu'on ait su que le groupe A justement allait plus ou moins bien en montagne autour de la table, puis
Ça a été vraiment intense comme moment parce que les gens ont pas mal donné leur feeling, mais aussi de la façon qu'ils voyaient la vie en général. Comme j'avais déjà vécu des situations difficiles, bien maintenant on se demande, bon, continue-tu, je voulais que les gens réalisent que s'ils continuaient, ça pourrait leur apporter quelque chose. Quand tu te places dans une situation difficile volontairement, ça t'aide par la suite à passer à travers des situations difficiles dans lesquelles tu t'es pas mis volontairement en difficulté, là. Déjà la deuxième journée, lorsque je me suis réveillé, j'allais mieux. Et puis, j'étais confiant que la situation allait s'améliorer. Puis j'avais un objectif en tête, la poursuite de l'étude et le sommet. Puis, la situation au niveau de ma santé s'est réglée assez vite. Et puis, j'ai pu poursuivre mes objectifs. Il y en a un qui était prêt à sortir de sa tente. Hein? Oui. Première journée, 5200. Changer de protocole parce que on est pas mal fatigué, on a très mal dormi. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va rajouter une journée de congé, d'une journée de repos. On va commencer les mesures seulement que demain. Puis on va canceller les mesures post-sommet. Parce que c'est assez aride comme climat ici. Fait que, j'ai fait le setup du dôme, les gars ont fait le setup des tentes pour nos collègues qui vont arriver sous peu. We moved up to the next level and we lost two of our team members, Annie Fallin and Patrice Brassard, who were quite ill, and they couldn't keep up with us, or they couldn't continue because of serious health issues. Ça s'est gâté un petit peu rendu au refuge du Wanapotosi. Disons que tout de suite à l'arrivée, en fait, rendu le soir, j'avais le mal de tête frontal typique. Puis après ça, ça a commencé à se gâter. Disons que les trois autres journées ont été assez pénibles. Donc ça a été vraiment nausée, ça a été mal de cœur. Et puis les deux dernières journées, ça aboutit à vraiment des vomissements pendant les deux dernières journées. It kind of changed the dynamics of the group a little. We were becoming more reliable on each other because the group has become smaller. And we had to work as a closer team, I guess. Ah, toute une expérience. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis contente de l'avoir fait. C'était tout un défi parce que ça monte très à pic. Surtout dans ce qu'on appelle la phase de singe, là. T'es à quatre pattes, là, puis tu te hisses avec les roches, avec à peu près 25 kilos sur le dos. C'est du sport. J'ai bien fait de m'entraîner avant de venir. Ah ouais, un dernier coup! C'est vrai! Super! Good job! Ah! You did it! Bon, ben il est 4h moins quart. Le deuxième groupe vient tout juste d'arriver. Ils sont partis à 10h ce matin. Il manque Patrice. Malheureusement, il file encore pas tellement bien. Fait qu'il a décidé de rester en bas, ce qui est sage. On s'apprête à manger avant que le soleil se couche. Puis, un petit peu inquiet avec l'expédition. Là, il y a des gens qui tombent malades de plus en plus. Il nous manque de plus en plus de sujets. Mais sécurité avant tout. Puis, on va dealer avec ça. Fait que demain sera un autre jour et un autre défi. La fenêtre cette nuit. J'ai chauffé toute la nuit, je pense que j'ai manqué d'oxygène un peu. J'ai un estimant de la tête même comme j'ai jamais eu dans ma vie. Ouais.
Non, je pense que on a un autre défi ce matin, là. Puis l'appareil écho est non fonctionnel ici. Les tests d'effort, on peut les faire? C'est que ça va être fonctionnel. Hein? Les tests d'effort, on peut pas vraiment les faire parce que ça prend l'écho. Si ça allait pas, les gens étaient au courant que si ça allait pas, ben, il fallait redescendre ou il fallait du moins rester sur le même palier. Alors, il y a eu, oui, beaucoup de personnes qui ont été affectées, peut-être un peu plus que ce que je m'attendais initialement, mais je pense que ça s'explique tout de même. On avait un horaire assez chargé quand même à respecter. Les conditions n'étaient pas faciles du fait qu'on restait relativement une longue période où... La nourriture, pas à la passe, mais au camp de base. Je pense que ça a été là le plus difficile au camp de roche parce que, bon, la nourriture était plus ou moins bonne. Les gens commençaient à être fatigués. Puis surtout, c'était les tests qui faisaient que les gens travaillaient beaucoup dans le jour, donc étaient un peu plus fatigués à ce moment-là. Puis c'est là que je pense que les problèmes de santé ressortaient un peu. C'est ça. Puis, bon, les tests, c'est vraiment scrap, même si le job est de... C'est comme prévu, là. La journée de repos a été faite en bas au lieu d'être faite ici. Tu peux le défaire la journée de l'après. Est-ce qu'on va être porté un peu de Dieu ici? C'est pour eux autres. Autrement dit, je pense que médicalement, ils ont l'air, ça a plus l'air d'exhaustion. S'ils se reposent une journée de plus, ils pourraient, s'ils ont la force physique, d'étoffer le changement d'altitude, s'ils ont envie de le faire. Ils sont venus un peu pour ça aussi. C'est vraiment beau, au moins faire une partie du trek, je sais pas. OK, c'est un bon choix. D'accord? Oui. D'accord. Martin, pas Patrick. Martin, pas Patrick. Oui, on est là, on écoute. Bon, on vient discuter. Et puis, médicalement parlant, ça ressemble beaucoup à exhaustion, là. Les filles sont l'air d'être hyper brûlées. Scientifiquement parlant, s'il reste une journée de plus, en bas, ça scrape tous les tests. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est qu'ils se reposent un peu toute la journée aujourd'hui. Qui montent demain pour leur plaisir. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'autonométrie. C'est quelque chose qui est inventé au début du 19e siècle. Ce que je veux vérifier, c'est le temps entre le battement cardiaque et le temps où est-ce qu'on sent la pulsation au niveau de son dos. Ensuite de ça, on va comparer ce temps-là avec le temps au niveau radial. Alors, le temps entre le battement cardiaque ici puis le temps où est-ce qu'on sent la pulsation. Plus le temps va être long, plus ça nous indique que la tuyauterie, les artères sont élastiques, donc sont en santé. Ça ne boude pas. Au moins, l'appareil n'aime pas l'altitude. Il n'est pas le seul. On va essayer de rejoindre Pierre Quentin. Sinon... Peut-être avec les disques puis le graveur, là, on va mettre le programme dedans. Ça doit être l'altitude. Ou... On va l'avoir. Une question de jour. De semaine ou de mois. De toute façon, l'écho, quand il fait trop clair, c'est pas bon. Fait que ça va marcher, mais qu'il fasse noir. Première chose qui se passait quand on se réveillait, il y a quelqu'un qui rentrait dans notre chambre ou dans notre tente pour venir prendre nos saturations, prendre notre tension artérielle, puis aussi notre fréquence cardiaque, au repos vraiment, à l'éveil. Ensuite de ça, on se levait, on remplissait nos questionnaires de satiété, nos échelles de visuel analogue. J'ai mes données. J'ai pris des mesures ce matin.
Après le réveil, il faut vérifier si on a eu mal à la tête, si on a bien dormi. Écrire le questionnaire d'AMS et le questionnaire de ma fréquence cardiaque était à 69 avec une pression à 105 sur 60. La saturation à 75, puis elle remonte à 78 assez rapidement. Mais je pense que la nuit est un peu plus basse. Donc, il fallait que je remplisse ça. Chaque matin, depuis le début de notre arrivée, on se pèse avec cette balance spéciale qui peut nous donner notre pourcentage de graisse, notre masse musculaire et notre poids en eau. Alors, c'est ce que je fais encore ce matin. Et je remarque que depuis notre arrivée, j'ai perdu déjà 4,5 kg. Alors, ce matin, ce qu'on est en train de faire, c'est comme à tous les trois jours depuis le début de notre voyage, on a des prélèvements sanguins à faire lorsque les candidats sont à jeun. Sur ces prélèvements sanguins-là, on a plusieurs mesures qu'on va analyser en laboratoire, entre autres pour évaluer le contrôle de la satiété, la fonction ventriculaire, bref, différentes données comme ça qui vont nous aider à comprendre pourquoi les gens ont de la difficulté à s'adapter en altitude. Alors ici, j'ai des prélèvements sanguins qu'on met dans les éprouvettes et que je dois placer dans une centrifugeuse afin de séparer le sérum des globules rouges. C'est sur le sérum qu'on va faire nos évaluations et qu'on aura des données plus tard. Tu fais ton journal alimentaire hier, Thierry? Non. Hein? Non. Je peux pas copier. Dans l'étude, tous les sujets avaient un journal alimentaire, donc devaient inscrire tout ce qu'ils devaient manger à tous les jours, à chacun des repas. Donc à tous les jours, donc c'était une ascension quand même de 15 journées, ça va me permettre de voir la part énergétique, donc l'appétit qui diminue, le nombre de calories qui diminue au fur et à mesure que l'ascension augmente. Donc les gens ont probablement bien mangé quand même à 4000 mètres, mais ça a probablement été terrible rendu à 5500 mètres. Il y avait des pics qui ressemblent à des stalactites ou des stalagmites. Puis il y avait une coupe de crevasses, pas très creuse, mais juste assez pour te faire peur. Puis là, j'avais mal accroché mon maudit crampon là, sur la glace. Je fais un pas, un de mes crampons lâche, là, je me mets à glisser. Fait que là, le premier réflexe, ça avait été deux minutes avant de sortir mon piolet. Puis là, je me rappelais que Thierry même m'avait montré sur le haut massif. On se rentre dans la glace avec le piolet. On avait pratiqué des chutes. Ça fait que rentre dans la glace avec le piolet. Là, tu te mets à capoter un peu. Tu penses en bas ce qu'il y a, même si la pente n'est pas trop grosse, mais tu vois ça tellement gros. Jamais fait d'escalade. Je décide de laisser partir mon sac en bas. Finalement, elle glisse un peu. Mon sac descend à peu près de 15-20 mètres. Il y a un Sherpa qui est en haut. Je vois Joël arriver. Joël, ça a été ma petite ange gardien. Là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Elle me regarde. Puis là, elle dit « Pat, ça n'a pas l'air d'aller. » Je dis « Non, Joël, appelle Martin. » Puis là, j'avais vraiment besoin d'aide parce que tu ne penses même plus. Tu sais, es accroché sur ton piolet, tu tiens sa montagne, tu penses à ta blonde, tu penses à tes parents, tu penses à n'importe quoi qui te rattache à ça en te disant « Crime, là, il ne faut pas que je lâche », même si probablement je ne serais pas tombé très loin, mais tu sais, ça te fait juste réfléchir à ça. C'est sûr qu'il y avait une montagne, il y a toujours un sommet. Hein? C'est ça qui fait la beauté de la montagne. Je t'avoue, quand je suis parti ou dans mes planifications du voyage, je ne pensais pas aller au sommet. Et pour moi, là, bon, j'avais déjà été à 6000 mètres, puis ça, c'est il y a plus de 20 ans. Là. Je ne me considérais pas capable de retourner à 6000 mètres. C'est vrai que c'était en hiver, etc. Là, mais... Dans mon esprit, je m'entraînais, mais c'était pas pour aller. C'était pour avoir du plaisir continuellement. Mon cœur roule à 90, mais mes émotions à 190. Au moins, je suis rendue. Il fallait bien s'hydrater. On devait prendre entre 2 et 4 litres par jour d'eau.
de façon, pour la personne, la meilleure façon de les mesurer, c'était d'avoir des urines qui étaient claires et non pas des urines concentrées, donc foncées. Vraiment se pousser à boire régulièrement, mais veut, veut pas, plus on monte, moins les gens ont tendance à boire, de par leur nausée, leur vomissement, etc. On a transporté de l'eau qui était stérile déjà, de la Paz, mais on n'en avait pas suffisamment là, pour pouvoir combler tous nos besoins pendant la totalité du séjour. Il a fallu à un moment donné gérer entre qu'est-ce qu'on va boire et qu'est-ce qu'on va prendre pour faire la vaisselle, pour sauver de la pristine, du temps et puis du combustible. Alors, ça a été toute une entreprise de garder toujours les petits émissaires, les petits brûleurs là, en fonction pour faire fondre de l'eau suffisamment pour qu'on en ait pour préparer les repas le soir. Parce que ça prend, si par exemple on prend un sachet de nourriture déshydratée, ça prenait au moins 2 tasses d'eau stérile pour pouvoir consommer ce sachet-là. Et sur ce sachet-là, il y a peut-être 2 personnes qui vont pouvoir manger. Pourquoi revenir en montagne? Quelle question. La réponse, je pense que la réponse, on l'a. T'as pas besoin de regarder bien loin. T'as juste à tourner la caméra, juste un petit peu, puis tu vas voir la réponse. Here, I could be with my family by the swimming pool, enjoying a nice chilled margarita and barbecuing. But I chose to be in the middle of nowhere in Bolivia at 20,000 feet altitude and eating dehydrated food, making my own water. I'm telling you, I wonder about my sense of judgment. I guess they say when you go up in altitude, you lose that. Yeah, I would be the perfect example for that. But the scenery is wonderful. That's one thing that I'm certainly never going to forget. It's just absolutely gorgeous out here. The mountains, the clouds, were actually above the clouds, which is kind of fascinating. And good times, I guess, but in a different way. Pourquoi t'as accepté de venir dans cette expédition-là? Ça semble fou. Fait que j'ai accepté. J'aime ça quand c'est comme ça. Elle a nos limites. C'est assez fou à ton goût. Ouais, là, je pense qu'on atteint notre limite. Il n'y a rien qui est arrivé qui était planifié comme ça devait arriver. Notre appareil à écho vient de flancher. Elle a marché tout le long, mais peu importe la raison, l'eau vert aujourd'hui, puis ça n'a pas fonctionné. Ça va de travers tout le long. Puis pourquoi on est encore en vie aujourd'hui, c'est parce que vous avez un bon moral. Ça, faut garder ça comme ça. J'ai remarqué que les gens s'entraidaient, puis on prend soin de l'un de l'autre. Après-midi, j'ai demandé de faire de l'eau. Les gens avaient mal au cœur, mais ils pompaient l'eau. Sylvie est assise sur une roche de glace en train de pomper son eau, grelotter comme un bon. Joël a fait la vaisselle, le cœur, ça flotte, en train de faire la vaisselle de tout le monde, parce que les gars étaient en train de piocher le couloir de marche en haut. Fait qu'il faut garder cette attitude-là. Faut se dire qu'il nous reste 3 jours comme ça, puis après ça, on va avoir... Moi, j'ai rêvé une pizza extra livette, là, mais vous rêverez ce que vous voulez. Puis après ça, ça va aller bien. Il nous reste 3 jours. Faut pas lâcher ces 3 jours-là. La science est encore là. Le sommet est encore accessible. Il y a les nuages qui ont inquiété un peu, mais le matin, ces nuages-là vont disparaître. Fait qu'on est correct pour encore une fenêtre de 2-3 jours certains. Le sommet n'est pas une finalité de cette étude-là. Si vous vous sentez pas confortable à faire le sommet, m'en parler, puis vous n'êtes pas obligé de le faire le sommet. Et la plus tough, c'est pour Michel, puis ça gagne. Là. Michel, Rémi, puis Thierry, là, que eux autres, ils en arrachent depuis le début. Là. Ils débroussaillent. C'est beaucoup. Je pense qu'on va vous laisser faire le sommet demain, puis vous allez avoir beaucoup d'énergie au sommet. Quelques-uns des défis, nonobstant le fait que c'est très difficile au niveau physique de monter le sommet d'une montagne, c'est de partir de nuit. Il faut se lever très tôt, on se lève aux alentours de 2 heures du matin pour pouvoir commencer l'ascension. L'ascension peut prendre jusqu'à 10 heures, surtout le Huayna Potosí, ça peut aller jusqu'à 10 heures de temps d'ascension. On veut partir la nuit parce qu'on veut être sorti de la montagne lorsque le soleil va frapper la neige.
5906 mètres. C'est-à-dire que je bats mon record personnel de 10 mètres ici. J'ai commencé la montée, je savais que je serais capable de faire malgré mon inconfort et l'arrivée au sommet était quelque chose de vraiment, vraiment magnifique. C'est comme un achievement. On pense à tous les gens que l'on connaît, on pense à nos enfants, notre épouse, j'ai réussi, je l'ai fait de façon sécuritaire et j'ai l'impression de m'être dépassé. Et la beauté du paysage, 360 degrés, l'altiplano à nos pieds, entouré de montagnes, c'est vraiment quelque chose qui est très émotionnant. Et d'avoir réussi ça avec mes deux compagnons avec qui j'avais passé finalement toutes les deux semaines d'expédition, c'était vraiment quelque chose de très bien. Et ça laisse des images impressionnantes dans la mémoire, je dois avouer. Monter le dernier 200 mètres hein, en front pointing, c'était quelque chose. Okay. Mais on est rendu, puis on est content. Ouh, je pensais pas me rendre. Très fatigué ce matin. Mais le dernier bout particulièrement était vraiment intéressant. Mais le petit break qu'on a pris juste avant m'a permis de me rendre jusqu'au bout. Et c'est absolument extraordinaire la vue. On voit le Sajama là-bas. L'autre, que je connais pas son nom. On est au-dessus de tout. Extraordinaire. La misère à pied. C'est pas grand sommet où ce qu'on peut faire un grand party. Là, je prends ma saturation au sommet. Souriant, ça a été un petit peu difficile. Il y avait les lèvres bleues au milieu de la dernière pente, faut avouer. Il est rendu à 67. Je sais pas si vous pouvez voir. T'as monté, faut que tu redescendes. Ah! Il a fallu le tirer toute la journée. À sa défense, il était malade. En tout cas, ça n'aurait pas été la même histoire. Je suis en tout de suite. Alter, man. C'est fait. OK, parfait. Oui, c'est ça. Wouh! Je suis content. Ah oui, ça arrive fort. C'est bon. Que d'aventure. Bon, on fait de l'écho toute la nuit. Je pense que là, ça a été le vrai défi. Où est-ce qu'il fait 15 jours, mais moins 15 la nuit? Où est-ce qu'on était la dernière journée? Où est-ce qu'il fallait faire 10 échos là, en quelques heures? Où est-ce qu'on a commencé? Où est-ce qu'il faisait nuit qu'on a commencé? Il faisait moins 15. On était dans une petite tente. Déjà pour les gens, juste d'être à découvert parce que faut manipuler sur le thorax. Donc, il était à découvert. Il faisait moins 15. Nous, on était avec notre petite chaufferette au propane. Intoxiqué, à moitié intoxiqué au monoxyde de carbone, en train de calculer nos images. Un coup, je tenais ma sonde un peu croche, puis c'est de voir Yves qui fait même plus d'écho, puis que tu pattes ta sonde à l'envers. Je me suis dit, bon, faut que je sorte de la tente. On finit ça à 10h30. On a l'impression de veiller jusqu'à 3h du mat, mais genre. Ah ouais, mon gars, c'est comme dans un igloo. C'est la première fois qu'on faisait ça avec mon manteau mitaine. Puis... Les coups sous épaule. Alors, ce qu'on essaie de démontrer avec l'échographie en altitude, c'est de voir les réactions du cœur gauche et du cœur droit.
à différents paliers d'altitude. Alors, on a vérifié, tous les sujets ont eu un écho à Québec de base, à peu près 100 mètres. Tous les sujets ont eu un écho à La Paz, à 3600. Ensuite, notre autre camp refuge était à 4750. Et ici, le plus haut, à 5300. Alors que certains sujets ont fait le sommet à 6088 et ont eu un écho post-sommet. Alors ce qu'on mesure, donc, c'est ce qui nous intéresse principalement, c'est la réaction du volume d'éjection, du débit cardiaque à différents paliers d'altitude. C'est la fonction diastolique, parce qu'il y a eu beaucoup de controverses à ce sujet. Et c'est aussi des choses qui n'ont jamais vraiment été faites, comme l'étude de la synchronisation, ou plutôt de la désynchronisation des deux ventricules ou du ventricule gauche. Et finalement, un index de performance du ventricule gauche et surtout du ventricule droit qui n'a jamais été démontré. Tout ça pour voir quelle est la limitation, qu'est-ce qui fait que l'individu fonctionne moins bien, et c'est le cas d'un peu tous nous autres ici, pourquoi l'individu fonctionne moins bien en altitude qu'au niveau de la mer à l'effort. C'est ça que c'est. Organisation de broche à foin, regarde-moi ça, avec l'aluminium, mais il crime de belles images à 5300 mètres. Yes, sir. Le jour de ma fête, le jour de mes 33 ans, on s'est levé très tôt le matin, vers 1h30, 2h du matin. Et puis, je me sentais très en forme, super bien dormi. J'ai été accompagné de Sylvie Aubin et puis Guétan Roy. Et une question très en forme pour faire le sommet. J'ai très, très excité de pouvoir m'asseoir sur le dessus du Huayna Potosí à 33 ans. Ça allait bien commencer, il faisait quand même passablement chaud pour la période de l'année. Et puis on est monté les trois, tout allait bien, les gens suivaient bien, Sylvie suivait bien avec Gaétan. Et puis à un moment donné, au premier pitch, où est-ce que ça devenait un petit peu plus technique, Sylvie nous a annoncé qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle se sentait fatiguée. J'étais en bonne pente, je regardais en face de moi et là, il y avait une falaise de glace devant moi. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il est si important que ça, le sommet, pour moi? Je me suis vraiment posé la question, puis je me suis dit non. il n'est pas si important que ça. Pas à ce moment-ci, en tout cas. Alors là, je me suis dit, puis je regardais en arrière de moi, il y avait une belle crevasse ouverte. Je regardais tout ça, je me suis dit, bon, je pense que mon sommet à moi, il est ici. Puis moi, j'étais très à l'aise avec ma décision. Ce qui m'a rendu plus mal à l'aise, par contre, c'est que j'avais deux autres collègues qui étaient avec moi. Et eux ne m'ont pas dit si ils voulaient continuer ou pas, mais moi, je me suis retournée et j'ai dit, je pense que moi, mon sommeil est là. Moi, je dois m'arrêter. Le motto a toujours été, on monte en équipe, on descend en équipe. De toute façon, il n'était aucunement question qu'un des membres d'expédition moins expérimenté redescende tout seul. Plein de réflexions pendant la montée, plein d'émotions, comme Yves Tessier m'avait dit, mais pas dans le sens de regret de ne pas avoir fait le sommet. C'est plus des nouvelles... des émotions plus personnelles à l'intérieur de moi que je suis allée chercher, là. Ça a peut-être changé ma vie, même. The reason why I didn't go and climb the summit, make it to the summit, was because my main focus here was to do with science. And after completing all the science and the experiments at 5200 meters, I figured that was enough. My job was done and I was ready to come back down. Malheureusement, je ne me suis pas rendu jusqu'en haut, mais je pense que j'ai beaucoup appris là-dessus sur moi, apprendre ses limites, apprendre à se dépasser aussi. Puis à arriver juste le thin red line, là, je pense que c'est ça que je retiens. Puis l'esprit de corps là, qu'on avait ensemble, c'était incroyable. J'ai fait quelques expéditions ou quelques voyages en solitaire. Puis c'est agréable, mais un plaisir non partagé, c'est pas le même plaisir. Tout le monde ici est pas mal écœuré. Tout le monde ici est fatigué. C'est pas tant la maladie que la fatigue. Quand les gens sont placés dans des conditions où ils doivent faire valoir toutes leurs qualités et même leurs défauts, c'est là que c'est le plus intéressant de connaître les gens. C'est sûr que quand on travaille dans un milieu hospitalier, les gens sont malades, puis leur véritable nature transparaît.
Mais c'est pas, on n'est pas obligé d'être malade pour se faire valoir. Puis, c'est un petit peu ce qui se passe en expédition. C'est des gens en santé qui, comme on dit, qui gagnent de malades. C'est là qu'on connaît mieux les gens. C'est là qu'on peut aussi le plus les apprécier. Je me suis comporté comme si j'allais au sommet, faisant des paliers, tout ça, comme j'étais un peu exclu. Des groupes de recherche, j'ai décidé, bon, mais c'est sûr, ça va être, pour moi, ça va être ma recherche de sommet. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in river. J'espère que je remonte aussi haut que ça dans les prochaines années. Merci.